Je me prénomme Jean-Pierre Obam-Esson. Je suis gabonais, sans emploi, père de 10 gosses. Je vis avec une femme, elle aussi elle est gabonaise, sans emploi aussi, elle élève en ce moment. Donc, je me débrouille pas mal. Je me débrouille pas mal pour vivre avec ma famille. Voilà. En ce moment, je suis à la recherche de l'emploi. Donc, et comme pour le moment, mon engin a un petit problème de barre de direction et les roulements. Donc, je suis en train de tenter de trouver la solution. Ici, il n'y a pas de pièce, mais je suis obligé d'essayer un peu de réfléchir, créer une idée, trouver une solution à ce que je puisse rouler. Parce que sans ça, vraiment, c'est difficile. Vraiment difficile. C'est ce qui me permet des déplacements. Aller faire ce que je peux, ce que j'ai envie de faire. Voilà. Bon, depuis mon enfance, vraiment, j'ai eu l'handicap étant bébé. Voilà. J'ai marché pendant 2 ans, vers la 3e année. Ça m'est arrivé. Ma maman me faisait comprendre que j'étais tombé, j'avais une forte fièvre. Et lorsqu'elle m'amène à l'hôpital, dès qu'on m'avait mis la piqûre, elle m'a ramené à la maison. Après, elle m'a fait le lavement. Au moment où il va me déposer pour que je puisse me soulager, je ne tenais plus debout. Et c'est à partir de là que mon handicap a démarré, donc à l'âge de 2 ans. C'est dur quand même, pas quand même, c'est dur. Parce que cette envie-là est en moi, de vouloir rester comme toute personne. Bon, on fait avec, puisque c'est Dieu qui a décidé ainsi. Et je ne peux pas changer le destin de Dieu. Voilà. Au niveau de la pauvreté, moi je dis, la pauvreté, c'est nous-mêmes qui appelons la pauvreté. Personne n'est pauvre. Personne. Vous savez, en ce jour, vous pouvez commencer à débrousser l'herbe là et avoir 100 francs par jour. Si vous savez gérer ces 100 francs là, vous ne serez pas pauvre. Donc, si vous estimez que la pauvreté doit vous envahir, c'est que ça vient de vous et de vos pensées. Moi, je dis la pauvreté, personne n'est pauvre. Tout le monde, autant que nous sommes riches. Autant que nous sommes pauvres. Parce que si vous vous mûrissez vos idées, vous allez voir que bon, la pauvreté n'est pas là. Donc, il arrive. Ça accompagne. Il arrive. Qu'on n'a pas la chance de vouloir faire quelque chose. Et même là, je dis même, la chance de vouloir faire quelque chose, c'est la personne soi-même. Il faut la volonté. La volonté. Moi, je vais vous dire une chose. Hein. Je fais un peu de tout. Je fais un peu de tout. Poser les briques là, sur le sol, monter les murs. Je vous assure que je vous pose un mur là, vous allez douter que c'est moi qui ai posé ce mur en briques. Pourquoi? Parce que je me suis donné la volonté. Quand je regarde comment les maçons posent la brique, quels sont les outils qu'il faut utiliser, et tout de suite je regarde et je vois comment ça se passe, tout de suite je me suis mis. Voilà pourquoi j'ai dit la pauvreté, c'est soi-même, hein, c'est la volonté de soi. Parce que si vous voulez être pauvre, vous serez pauvre. Si vous voulez être riche, vous serez riche. Les Gabonais économiquement faibles, je dis non. Ils vivent dans des conditions très difficiles. L'exemple est là. L'exemple est là. Tu as vu notre route là. Il y a des flaques d'eau.
Et les flaques d'eau là, gardent les moustiques, gardent les tout ce qui est mauvais là-dedans. Lorsque vous plantez votre pied là-dedans, vous ramassez les microbes. Mais par contre, les Gabonais, économiquement, ils vivent bien. Vous savez, enfin, moi je dis, c'est ça aussi. Hein. Tout le monde ne serait pas président. Si tout le monde serait président, qui devait commander l'autre? C'est ça. Même Dieu qui a créé le ciel et la terre, vous voyez les arbres en brousse, chaque arbre a sa taille. Tous les arbres n'ont pas la même taille. Donc je peux dire que tout le monde ne va pas vivre au même degré de vie. Non. C'est faux. Ceux qui le disent, ils mentent. Même l'herbe, voilà l'herbe, tout est là. Les exemples que Dieu nous a mis sur la terre sont devant nous. Il faut vivre avec ça. Vous voyez l'herbe. Il y a ceux qui sont grands, ceux qui sont petits, il y a ceux qui sont plus bas que ça. Ça veut dire ça va de niveau en niveau. Voilà, donc moi je dirais qu'ils essaient un peu d'améliorer le peu, le maximum, voilà le maximum qu'il faut. Et puis, il faut aussi comprendre quelque chose, et moi, je vais peut-être le dire. Vous savez, trop de gratuité aussi ne vous donne pas la volonté de travailler. Hein. Parce que si on vous donne tous les jours cadeau, vous ne ferez plus rien. Vous allez attendre tout tomber. Il va falloir quand même bouger pour avoir quelque chose. C'est important aussi. C'est important. Si on nous laissait trop gagner cadeau, ça donnait trop de paresse. Et ça permettait aussi que vous ne faites rien. Vous attendez tout. Je dis, ce qui est en train de se faire, moi, j'encourage. Proposer. Toujours et toujours proposer pour avancer notre nation. Voilà, moi je dis, Paris ne s'est pas construit en un jour. Hein. Paris s'est fait construire avec le temps. Ça veut dire que du jour en jour, au fil du temps des années passées, il se faisait construire, il se faisait développer par des idées et des Parisiens, des Français qui proposaient des idées à ce que leur pays avance. C'est ce que moi je peux peut-être donner à notre petite population gabonaise que lorsque nous sommes en face aux difficultés, ne jetons pas trop la pierre à l'État. Il faudrait que nous jetons la pierre aussi sur nous-mêmes. Nous-mêmes, on est à l'origine de certainement de nos problèmes aussi. Si au jour d'aujourd'hui, je n'entretenais pas mon scooter, je serais comme les autres. Je le serai, parce que mon entretien a permis à ce que ça vive jusqu'à ces jours. Voilà. Si j'aurais pensé que non, l'État viendra faire, l'État viendra... Mais il m'a déjà donné. Il m'a déjà donné ça, c'est pour moi. L'État ne va pas tout faire. Les choses que nous-mêmes nous pouvons faire, il faut qu'on les fasse pour avancer notre pays. L'État ne viendra pas arranger ta maison. Il n'y a personne de mes côtés. Voilà, je fais avec, j'essaye de me débattre à mon niveau. Pour trouver la solution à mes enfants. Ils sont scolarisés. C'est vrai que cette année-ci, le Fonds national d'aide sociale a pris une partie de mes enfants dans la scolarité. Voilà. Donc je pourrais dire que c'est bien, coup de chapeau quand même. Parce que c'est des actions comme ça qu'on attend de l'État. Voilà. Quand l'État pose ce genre d'action, vraiment, ça nous encourage, ça nous pousse à réfléchir, à dire que certainement, on se disait que notre vie est terminée par là. On se disait que peut-être, à partir de là, on ne pouvait plus rien faire. Mais or, lorsque vous avez un coup de pouce, ça fait réfléchir et ça donne l'envie de continuer, de donner la vie. Lorsque nous nous retrouvons dans les situations auxquelles nous nous retrouvons, ce n'est pas bien. Et un petit pays comme le Gabon, vraiment, qui est en train de voir le jour, il ne faudrait plus qu'on le recule. Je dis des avancements du pays, c'est ça, c'est nous-mêmes. Et des autorités. Je prenais cet exemple-là le jour que j'étais à l'ADNAMGES. Beaucoup se plaignaient. Enfin, leur plainte n'était pas mauvaise. Depuis qu'ADNAMGES est venu, je vous assure que des solutions se sont trouvées. Des solutions se sont trouvées parce qu'au jour d'aujourd'hui, avec 1500 francs, tu te fais consulter. Avec 3000 francs, vous avez 3 ou 4, voire 5 médicaments. Et ça, soyez-en sûr que c'est vraiment un soulagement total. Qu'on ne se voile pas la face.
La vérité est bonne à dire. Quand c'est bon, c'est bon. Pour prévenir la maladie, il faut vraiment être d'abord. Il faut d'abord être bien nourri, bien logé, bien vêtu. Bon, en un mot, il faut avoir de l'eau, l'électricité, du loyer et un bon environnement. L'hygiène doit être faite d'abord par nous-mêmes. Voilà. Vous savez, on a été auparavant trop libre de tout faire. C'est que des endroits où on ne doit pas jeter de n'importe quoi, on jette. Voilà. Et moi, je souhaiterais qu'il est temps de saisir un peu certaines choses qu'on doit mettre dans l'ordre. Dans l'ordre. Parce que c'est ça l'évolution, c'est ça l'avancement, c'est ça la propriété, c'est ça l'entretien, c'est ça la santé. On tue nous-mêmes sans se rendre compte. Et on accuse. C'est ça aussi le problème. Pensez que moi, dans ma maison, je jette de la saleté là. Et je vais vous demander, vous qui êtes de l'autre côté là-bas, que non, vous qui devez venir ramasser ma saleté. Je dis non. Il faudrait que j'enlève ma saleté pour le mettre. Là, on a dit que ici, c'est là où on doit mettre la saleté. À partir de là, si la maladie quitte de là-bas, venez me trouver, vous êtes à l'origine. Voilà, c'est ça. Voilà. Les médias font leur rôle en ce moment. Et je pense qu'il faut qu'ils continuent. Parce qu'au fur et à mesure qu'ils divisent leurs informations pour éduquer les populations, ça fait en sorte qu'on prend conscience, on prend conscience de ce que nous-mêmes, nous ne devons plus faire. Je dirais au chef de l'État en ce moment que M. Jean-Pierre veut travailler. Et lui et son épouse. Ça, c'est un d'abord pour mieux préparer l'avenir de nos enfants. Vous savez, quand vous ne travaillez pas, vous ne pouvez rien faire. Et moi, je ne suis pas le genre qui doit attendre des dons. J'aime pas ça. Je ne m'attends pas aux dons. Moi, c'est le fruit de mes mains. Ça voudrait dire quoi? Il faudrait que je travaille ma souffrance me permet de mieux avancer, de mieux réfléchir, que d'attendre qu'on vienne me donner. Voilà. Donc, si au jour d'aujourd'hui, Jean-Pierre travaillait, je pense que je vais préparer l'avenir de ma famille. Vraiment, comme cela se doit. Vous savez, lorsqu'on vit, il y a toujours de l'espoir. Tant qu'on vit, il y a toujours de l'espoir. Et moi, je le dis toujours, je crois et je sais que je dois travailler. C'est ça mon objectif. Vous savez, lorsque vous croyez quelque chose, ça vous arrive. Si vous tenez ferme que vous allez travailler, votre volonté là, vous allez travailler. Mais si vous laissez en disant que, on va encore faire comme c'est le slogan, je dis, tu resteras aussi comme on va encore faire comment. Mais moi je dis, je dois travailler, moi et mon épouse, pour permettre à ce que ma famille suit une vie normale. C'est ça l'objectif. Et normalement, le combat de l'homme sur terre, c'est de travailler, subvenir aux besoins de sa famille et permettre à ce que les enfants qui viennent soient bien suivis. C'est ça mon objectif en ce jour. Je crois, je sais que ça va se réaliser. Mot de fin. Je vous remercie parce que, vous savez, ça n'arrive pas souvent. Vous savez, on était vraiment oubliés avant. Oubliés. Abandonnés. On n'existait pas. C'est une partie de personnes que peut-être le pays voulait oublier. Mais je pense qu'ils sont en train de se réveiller. Parce qu'on fait beaucoup et on est capable de faire beaucoup. Je dirais à mon président que ce n'est pas tout qu'on va l'apprécier, mais qu'il aille sur son but. Son but c'était Gabon vert.
Gabon de confiance. Oui. Et il a signé un pacte. Il a dit, je reconnais ce jour que je serai heureux lorsque les Gabonais seront heureux. Gabon, 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 relève-toi, Gabon, 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 relève-toi, relève-toi. Gabon, 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 relève-toi, Gabon, Gabon, sois éclairé par le Seigneur, relève-toi. Amen. Amen. Amen.